Porridge time. Attention, je le trouve. Oui. Ça va là. Il faut ramener la housse. Thank you.
Pourquoi il fait si froid, Tito? On est quand même pas très haut, là. On est à 150 mètres d'altitude, pas plus. 150, 300 mètres d'altitude. Ouais. Il fait très très froid, mais tout simplement parce qu'on est au plein milieu des glaciers. Il y a des glaciers l'est, sud-ouest, nord-ouest, côté ouest, et il y a des petits glaciers en montagne aussi, qui expliquent qu'il fait très très froid. Par rapport à la banquise, il fait moins 20 déjà, et ici il fait moins 35. Il est 22h sur le glacier. Il fait très froid comme on l'a dit tout à l'heure, mais il fait quand même exceptionnellement beau. Il y a des lumières qui sont indécentes. Il y a des bleus, il y a des mauves, il y a des choses que j'avais jamais vues nulle part ailleurs. Je voulais un petit peu transcrire l'ambiance de la marche à la Poulka par ces températures. Et si c'est très beau, et si c'est pas très difficile techniquement, ça demande une concentration relativement permanente pour plusieurs raisons. D'une part, c'est comme dans beaucoup d'endroits en montagne ou haute montagne, si on transpire, on a froid, on a très froid. Donc toute la subtilité consiste à bien gérer son effort, son équipement, à enlever une moufle, un bonnet, à mettre une veste, à guetter le moindre courant d'air, à s'en méfier ou à en profiter pour se refroidir. Ça, c'est la première des choses. La seconde, c'est de... On doit rester groupé, pas seulement par camaraderie, par amitié, mais par rapport à cette histoire d'ours, d'ours polaire, hein, c'est une réalité. Donc si je m'éloigne d'une manière ou d'une autre de mes compagnons qui sont en train de me distancer, et bien je suis seul, surtout que là ils sont en train de passer un petit col, même si le risque est très très faible, je vous avoue, j'ai pas très très envie d'essayer. Voilà, c'est 2h du matin, on vient de finir de monter le camp, il était temps. Donc là, il faut que je dise... Et on va aller continuer le débat sous la tente. Le débat là du soir, c'est quelle température fait-il? Mon thermomètre annonce moins 42 degrés, pardon. Et ce qui est un petit peu rigolo, c'est que là, à l'heure où le soleil se lève, eh ben, ils veulent pas me croire. Je pense qu'on est super fort ou un petit peu acclimaté. En tout cas, il y a débat sur les fiabilités de l'électronique. Néanmoins, je peux vous garantir qu'il fait pas très très chaud. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vais couper l'enregistrement, parce que les caméras et batteries ont beaucoup de mal à suivre.